Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulations Littéraires. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous l'avais proposé il y a des années-lumière de ça et je l'avais jamais faite, j'avais jamais vraiment trouvé l'occasion. Mais aujourd'hui je vous filme enfin un bookshelf tour, tout simplement parce que j'ai décidé de faire un gros vide dans ma palle qui est juste énorme. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de bouquins que j'ai juste tout simplement plus du tout envie de lire, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer le rangement et ensuite de vous faire un petit tour de mes étagères. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser que en fait tout ça c'est ce que je vais devoir vous filmer en book haul d'ici la fin du mois, donc du coup je vais le mettre de côté et je vais vraiment me concentrer sur le reste de ma palle sur lequel j'ai envie de faire un vrai rangement. Donc c'est parti. Alors on va faire une petite pause dans le rangement pour vous montrer un peu ce que j'ai fait là au fond. Donc j'ai mis les fameux textes, donc il y a du Einstein, Condorcet, Voltaire, Milton, etc. Notamment sur l'économie et ils ont l'air vachement intéressants. Et après j'ai mis que des classiques. Donc tout ça c'est vraiment de la palle, je les ai jamais lus sauf Bonjour Tristesse qui est là. Et L'attrape-cœur de Salinger et le reste je l'ai jamais lu. Ensuite sur la deuxième rangée, donc j'ai rangé, j'ai deux bouquins de science-fiction. Après on a pas mal de contemporains. J'ai mis les Murakami dans le contemporain parce qu'il est un peu inclassable pour moi. Après vous avez de la fantasy et de la bitlit là. Genre trois bouquins d'enquête et du un peu plus jeunesse ici. Plus à la fin le Cendrillon qui est en fait une pièce de théâtre. Mais je vous avoue que je sais pas trop où le ranger. Donc je l'ai mis là. Et enfin, la dernière rangée de ce côté de la bibliothèque, vous avez quelques livres en anglais, dont certains que je crois qu'on m'a prêté, donc il faudrait que je demande à mes amis. Les messagers des banques, j'ai envie de lire bientôt, donc du coup je les laisse un petit peu devant pour histoire de ne pas les oublier. Il y a aussi le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham. Vous avez là le Dothraki facile que j'ai, et donc du coup je ne savais pas trop le ranger, donc je l'ai mis là. Ceux-là, c'est deux grands formats qui tenaient pas en longueur, notamment les Terres de l'Est, qui est vachement profond. Donc du coup, je les ai mis comme ça. En plus, on aura Metsun Tum devant, donc ça fera joli. Ensuite, vous avez les Sœurs Carmine, pareil, j'ai l'intention de les lire bientôt. En fait, toute cette première rangée, j'ai l'intention de les lire assez rapidement. Que ce soit les Sœurs Carmine, l'Art de perdre, etc. Voilà, comme ça, c'est des grands formats. Je savais pas trop où les mettre, je les ai mis là, et puis ça rend joli, donc...
Donc voilà, j'ai quand même déjà fini de remplir tout ça. Et on n'a pas fini. Il reste encore tout ça, il faut que je revoie les BD. Et j'ai bien d'autres étagères à ranger. Donc c'est reparti. Alors voilà, j'ai terminé la ligne du fond. Alors j'ai un super beau livre de Claude Monet parce que j'adore ce peintre et je savais pas trop le mettre. Du coup je l'ai mis là. Je verrai en fonction du rangement que je fais sur d'autres étagères si je trouve une place plus appropriée. Après vous avez un certain nombre de livres dites littérature adulte, alors que ce soit de la science-fiction comme Dark Shadows ou du plus contemporain pour l'année la plus longue, ou enfin je sais pas trop en fait, je sais pas trop où les classer, du coup je les ai mis là. Des livres qui ont l'air assez intéressants, j'ai le tome 2 du Paris des Merveilles qui est là, le 1 est autre part dans ma palle, faudrait que je le retrouve. Ensuite j'ai mis Enael, les tomes 1, 2, 3 ici ensemble, comme ça je sais où ils sont tous. Et à côté Golden Valley chez Scripto qu'on m'a beaucoup conseillé, donc je l'ai mis là. Et ensuite je me suis fait une petite pile de romans graphiques, notamment du Craig Thompson, du Taniguchi. D'ailleurs je vais en fait mettre le journal de mon père au-dessus, Space Bullet en dessous, enfin histoire que au niveau des auteurs ça colle un peu plus. Donc voilà, ça je suis pas fanat du rangement, mais en vrai c'est ma palle et j'aime pas trop la trier parce que comme ça je pioche un petit peu au hasard. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté. Maintenant je vais remplir la rangée de devant. Alors j'ai changé un peu de point de vue, on va voir si ça vous plaît, si c'est sympa. De toute façon après je vais ranger le haut de la bibliothèque avec tous mes pop et tout, et surtout avec mes BD. Et je pense que je vais me rapprocher encore pour que vous voyez un petit peu mieux. Bref, on recommence. Alors voilà, j'ai terminé la deuxième rangée. Donc j'ai deux petits formats là, jeunesse, qui me tentent vraiment. Genre les autres, je les ai mis de côté. Mais ceux-là, ils me tentent vraiment. J'ai mis l'Assassin Royal ici parce qu'il faut vraiment que... Oh, j'ai tout fait tomber! Au secours! Bref, je le reprendrai après. Au fond, derrière, j'ai mis du Thomas Hardy, du Barjavel, enfin des classiques, pas classiques. Enfin, je sais pas, pour moi c'est des classiques, mais peut-être pas pour tout le monde. Bref, je les ai mis là. Après vous avez que du jeunesse, normalement, j'ai même pas fait par maison d'édition vraiment, enfin si, là vous voyez du Gallimard, mais il y en a genre à nouveau là, mais c'est pas le même format. Bref, si j'ai mis collection RPKJ ensemble et tout à côté devant la vérité sur l'affaire Harry Kéber qu'on m'a fortement recommandé et que j'ai envie de lire bientôt, donc du coup je l'ai mis là. Et alors, si on range... Alors, si on range comme il le faut et qu'on remet le petit plateau là, je sais pas s'il va tenir un jour en fait ce petit plateau. Bref, on va plutôt mettre ça là, les tchoum-tchoum. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors, sachant qu'avant c'était genre vraiment blindé, vous en aviez plein au-dessus les uns des autres empilés. Oui, j'ai remis mes achats de ce mois-ci là, tout ça, vous voyez, tout. Ça c'est le mois, c'est les achats et acquisitions de l'été. Voilà, ça va être un book haul bien chargé.
Bref, du coup, c'est quand même vachement aéré. J'ai encore plein de place si je mets des poches au fond, etc. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins chargé qu'avant. Et je vous avoue que ça me fait pas mal de bien. Et maintenant, je vais faire un nouveau point de vue et on va s'attaquer à ça. Les BD, c'est pas du tout rangé. En fait, il y a des BD que j'ai lus avec des BD que j'ai pas lus et inversement. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Du coup, je vais essayer de ranger tout ça. Du coup, j'ai tout retravaillé. Donc vous avez le plus important, le petit coin Harry Potter qui se trouve juste là avec tous mes livres en anglais, le Harry Potter illustré, Harry Potter and the Cursed Child, la pièce, et l'édition spéciale anniversaire du tome 1. Voilà, je trouve ça déjà un peu plus aéré avec mes petites pop préférées bien sûr. Ensuite, là-bas, j'ai mis mes bougies. Elles sont vachement, vachement plus accessibles qu'avant. Avant, je vous avoue que je galérais un peu. Essayez de faire le focus. Voilà. Du coup, on les voit beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. J'ai mis ma petite lampe. En dessous, pas très accessible, mais c'est pas très grave. C'est des BD que j'ai déjà lus, des BD que j'ai adorées. Comme ça, je sais qu'elles sont ici. Elles sont pas très accessibles, mais je les ai déjà lues, donc c'est pas trop, trop grave. J'en ai rajouté mon petit David Tennant ici et des bougies. Ma super belle machine à écrire que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vue pendant très très longtemps, est toujours là et elle fait du plus bel effet dans la bibliothèque. Ça c'est ma book jar, il faudrait que je refasse les petits papiers parce qu'il doit y avoir plein de livres que j'ai déjà lus là-dedans, mais bon, je le ferai une autre fois. Mon petit mug avec tous mes marque-pages, et il y en a beaucoup. Coucou toi! Et là-bas, en fait, vous avez toutes les BD que je n'ai pas encore lues, mais ça ne saurait trop tarder. Elles sont quand même beaucoup plus accessibles qu'avant. Enfin, franchement, avant, je galérais, il y avait trois fois plus de trucs devant. Là, c'est un mug à pousser, une pop à pousser, et je choisis. Et bah, franchement, vous voulez rire? Vous voulez rire? J'ai oublié de mettre ça. Oui, oui, j'ai oublié de mettre tout ça. Vous savez quoi? Je la trouve assez chargée comme ça, cette bibliothèque. Donc je vais trouver un nouvel endroit et vous allez découvrir avec moi mes nouvelles étagères qu'il va falloir ranger. Donc voilà. Déjà, il y a cette petite bibliothèque que j'aime beaucoup. Elle au moins, elle est toute propre. Ah, ça fait du bien. Je vous avoue que là, je me sens mieux. Alors voici mon autre bibliothèque. Je la partage un peu avec ma petite sœur, donc toutes les étagères sont pas à moi. Donc si je vous montre un petit peu, genre là il y a mes mangas, là il y a des dictionnaires, des bouquins de trucs d'art, de plein de trucs. Et ça c'est mon étagère de livres chouchou qui sont déjà lus. Ça c'est ma palle, enfin encore un bout, donc ça c'est des livres de ma sœur, donc ça je vais pas y toucher. Et les livres que vous voyez sur la deuxième rangée là, c'est aussi ma palle. Ici vous avez pas mal d'albums et de BD, là c'est mes albums chouchou que normalement j'ai déjà lus. Pas tous. Et à côté, il y a d'autres BD. Donc, moi, pour l'instant, je vais m'occuper de la balle. Et ensuite, on verra la place que j'ai.
Alors du coup j'ai terminé cette étagère, il n'y a pas vraiment d'ordre, il y a toujours les livres de ma petite sœur qui sont là, je ne vais pas trop changer son truc, on sait jamais que ça l'embête. Derrière il y a quelques classiques de derrière par là, là vous avez des plus après contemporains, plutôt adultes devant, deux romans en anglais derrière, il y a Hazelwood et This Lullaby. Ensuite j'ai mis des BD parce que voilà. Par contre en fait tous les formats de BD que j'ai rentraient pas. C'est quasiment que des BD que j'ai lus sauf celle-ci. Louise le venin de Scorpion, du coup je vais la décaler un peu des autres. Hop. Voilà. Et devant on a de la jeunesse. Voilà, de la jeunesse et un peu de romance aussi. Et de contemporain avec Bridget Jones. Voilà voilà, il me reste plus qu'à ranger là-haut. Attendez, le focus, voilà, là-haut. Et après, je vais un peu ranger celle-ci. Et je voudrais bien trouver de la place pour mes livres favoris comme ça. Si je pouvais la trouver là, la place, ce serait cool. On va voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai terminé. Du coup, la dernière étagère, vous avez encore toute une partie de ma palle, là, avec des classiques et de la jeunesse principalement, avec un peu de contemporain et deux livres en anglais ici. J'ai rajouté mes livres de la collection R que j'ai déjà lus parce qu'il fallait que je fasse de la place ici, parce que j'en pouvais plus, j'arrivais pas à mettre mes nouvelles lectures, genre là, une Bresse ou la Sonde passait pas. Et d'autres, ça s'est rangé par ordre alphabétique d'éditeur, puis par ordre alphabétique d'auteur. Je trouve que ça rend bien, ça me change un peu. Et puis voilà, voilà voilà, c'est tout fini. Alors je sais pas si vous voyez la différence avec avant, mais moi je trouve ça vachement plus aéré. Et ça fait du bien. Voilà voilà. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors sachez que je vous ai montré mes bibliothèques principales, mais mon problème c'est que j'en ai aussi dans un cagibier qu'on a dans la maison. C'est des livres que j'ai aimés, mais sans plus, du coup je les mets là-bas. Mais vraiment, livres chouchou de manière historique, ils sont derrière mon lit, genre cachés. Enfin, un point de vue de la luminosité, c'est juste impossible à filmer. Et j'ai une dernière petite étagère où je mets les livres que je veux vraiment lire d'ici peu. Donc ça, je voulais pas montrer, mais c'est vraiment juste trop compliqué à filmer. Je vous aurais quand même montré mes bibliothèques principales, dont mon étagère favorite que vous avez vue en dernier, avec mes livres un peu chouchou que j'ai lus récemment. Franchement, je suis trop contente, ça m'a fait faire pas mal de tri, et je me rends compte de tout ce que j'avais, et d'ailleurs, en rangeant ça proprement, je me dis, mais comment j'ai pu rentrer autant de choses, bref. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire si cette vidéo vous a plu et je la referai peut-être d'ici un an quand ma bibliothèque aura un peu évolué. Maintenant, il est temps de refermer cette vidéo et d'aller la monter, ça va être rigolo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups !